C'est une fille de la mer, des cheveux roux, des grands yeux verts, des bras, des hanches de sirène, un torse vraiment olympien, avec des lolos brigidiens, 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 un port de reine. Et les farouches Terre-Neuve-Vent, quand ils revenaient de là-bas, leur bateau chargé de morues, comme elles savaient les accrocher dans les filets bleus du péché au coin de la rue. Une morue pêchant un pêcheur, beau thème pour un prédicateur, on pourrait en faire des gloses. Mais il y avait chez les Terre-Neuve-Vent un pur, un dur, un gars comme ça, comme ça, comme ça, plein d'équimoses, qui a dit ça peut plus durer, cette morue-là je vais la saler pour en débarrasser le monde. Il a mis son bel habit neuf, cousu dans un beau drap d'Elbeuf. Salut la blonde! Salut, qu'elle a fait, t'es le roi, t'as des biceps, monte avec moi. Il a monté, elle s'est mise nue. Elle était belle comme le soleil, il avait jamais rien vu de pareil. Ah, ah, une statue. Il en est tombé d'un coup de sang, raide mort à ses pieds ravissants. Alors, elle a fondu en larmes, en voyant la mort de si près, elle comprenait ce qu'elle avait fait. Avec ses charmes. Alors d'un cœur bien repentant, avec l'argent de ses clients, à sa patronne Marie-Madeleine, elle a élevé un reposoir où ce qu'elle va méditer le soir, où ce qu'elle va méditer le soir, l'âme sereine. Mais avec l'argent qui restait, ça faisait un joli paquet. Elle a ouvert sur la falaise un hôtel joliment garni où l'amour se fait, comme on dit, à la française. Elle le gère avec dignité, à cheval sur la moralité, planant au-dessus des contingences. Ses beaux yeux levés vers le ciel, elle assure pour le temporel, le temporel, le temporel, sa subsistance. Ce qui prouve bien qu'ayant fauté, on peut toujours se racheter par une conduite exemplaire. Retenez bien cette leçon et l'adresse de rue des Pigeons à Saint-Lunaire, à Saint-Lunaire.